Bed et je vais vous expliquer comment faire des zombies à tête de ghost. Donc je vais vous faire pour les zombies les petits et les géants. Donc déjà pour commencer, je vais vous faire les petits. Donc un command block slash give arrobas p 397 espace 1 espace 3 les petites parenthèses. Donc si vous savez pas, c'est Alt GR le plus à côté de la flèche pour effacer. Et pour pour ouvrir, c'est Alt GR 4. Et pour effacer, c'est celle que je viens de vous dire. Après, vous marquez Skull Owner 2 points MHF tiré du bas Ghost et vous fermez les parenthèses. Sinon aussi le MHF c'est aussi pour toutes les PNJ. Donc accepter. Donc après j'en ai une. Et après c'est simple. Vous faites comme si vous voulez faire pour un zombie. Donc vous balancez une tête. Dès le premier coup. Et vous avez un zombie à tête de ghost. Voilà. Et maintenant je vais m'attaquer au géant. Donc je fais slash summon giant. Donc c'était. Et là, c'est pour faire un géant. Là vous voyez, il est chevauché de rien. Mais on peut le faire chevaucher. Là je l'ai fait chevaucher d'un pig. Regardez. Là le pig il est là. Et ici, je vais remplacer le pig par un ghost. Hop. Ghost. Donc je trouve que cette technique est bien pour les serveurs pour faire des events. Et voilà. Un zombie géant à tête de ghost. Et ce qui est bien, le problème, le petit défaut, c'est qu'on voit les petites les petits trucs en dessous des ghosts. Mais sinon, le truc qui est intéressant, c'est que je crois qu'il peut envoyer des boules de feu. Donc en fait, ça garde la puissance du zombie, mais il garde la tête de ghost. Donc en gros, il peut envoyer des boules de feu. Mais si par exemple vous tuez que le zombie, comme ce que je vais faire. Des flèches. Si vous tuez que le ghost ou que le zombie, ça libérera le ghost et il s'en allera. Enfin, il pourra s'en aller. Donc, dernière chose, vous pouvez par exemple aussi, je sais pas. Là par exemple, je vais vous faire un truc génial. Je vais remplacer le ghost par un Ender Dragon. Ça c'est petit truc Roman Bed. On se dévie un peu du sujet, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut aussi faire avec d'autres entités. Et voilà. Où qu'il est passé. Ouais, je vais le mettre en peaceful. Ça par contre, ça je le savais pas. Bon, c'est sur ces images que je vais vous laisser. C'était Romain Bête. Et pour vous faire voir comment peut-on avoir des zombies à tête de ghost. Allez, à ciao!